Et bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Alika et Jean-Mi. Je suis avec ma très chère compère depuis Tous. Longtemps, mademoiselle. Ah, Alika, bonjour. Et voilà, Jean-Mi. Comme, voilà, j'ai voilà. pas le droit de Plus me besoin présenter de à le l'autre d'ailleurs. présenter. Mais il Oui, n'y a je plus besoin sais, de ma te voix suave et présenter. sensuelle au On te micro. connaît maintenant, c'est bon. Les gens, C'est bon, ça va, ça fait 10 calmez-vous, je fois qu'ils te reposerai dans une voient, ça minute. va, ils ont compris que c'était Jean-Mi. Au bûcher! Au Faut pas. bûcher. Hérétique! Terrible. Au bûcher! Ah, Ah c'est voilà, une bon, petite fois pour la sachez-vous, vie. c'est dommage, on n'a pas de cheminée ce soir, je ferai un barbecue. Ces derniers, ça y est. Ça y est, au bout de plusieurs heures, on en est Oui. déjà là. C'est l'heure du dernier Colosse et donc de la fin de Shadow of the Colossus. Bienvenue pour cette dernière VOD. Moi, je suis un peu. Je me demande ce que ça va être la fin. Le jeu est passé tellement vite parce qu'il fait à peu près entre 6 et 8 heures. Ouais. Nous, là, ça nous aura pris, je pense, 8 heures à peu près pour le faire. 8 En heures, ou sachant. enfin 8 heures en disant beaucoup de conneries hein, quand même. 8 heures, oui, là, à mon avis, on va bien mettre. Me connaissant, c'est moi qui ai la main. 8 heures, point boss compris, c'est-à-dire on run plus qu'on défonce le boss en fait. C'est moi qui ai la manette. Oui, Donc, à c'est mon Alika. avis, on va bien mettre 1 heure pour battre le dernier boss. Non. Non, je vais essayer de te trouver des aides là-dessus, Et puis, on aller chercher. aura. On va toujours. Nous, on débriefe toujours à la fin. Donc, ce sera peut-être une longue VOD, on va voir. Nous En verrons tout cas, bien. on repart? Allez, on se met en mode jeu. Merci Hop là! de ce Alors, côté-là. Nous nous paf! lançons dedans. Le dernier Et nous qui lançons est tout dans droit. l'enquête Chocapic. Allez. Paf. Donc, on nous dit que le temps nous est compté. Le dernier colosse, on n'a pas eu d'indice dessus. On nous a juste dit, ah, c'est bientôt fini. Voilà. Allez, vise pour voir où il est. Non, c'est vrai, j'ai vu, c'était tout droit. D'accord. C'est là, regarde. Tout droit. Tourne, 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 tu vois. Voilà, Tout c'est droit. là! C'est tout droit. Oui, mon fidèle dada. Comment s'appelait ce dessin animé où il levait Cosmo Cat? Allez, aggro! Allez, aggro! Allez, aggro! Mais Je si, peux on va vous tout avouer un droit. truc? C'est le nom de cheval le plus chelou que j'ai jamais entendu. Parce que tu crois que tricot pour un chat. Vous avez pas l'impression que c'est foutu les sabots dans une prise électrique? Vous avez vu la tronche de la queue? C'est ça, il est tout hérissé le pauvre. Ah, c'est le Mais design les aventuriers ne incroyable. vont jamais tout droit. Eh ben nous si. Non, parce qu'ils sont trop bourrés pour y arriver. Pardon. C'est bon ça. Entendu soleil. Pourquoi j'ai ça dans la tête là? Parce que j'en mis ça tous les coups. Je Ah mais pense non que mais c'est en face. c'est le truc où j'ai galéré à monter la toute première fois, souvenez-vous. Melon. J'ai commencé et je conclue ce jeu. Enfin peut-être pas, je vais peut-être passer la manette à Jean-Mi encore une Vas-y, fois. mets la carte en appuyant sur le gros bouton central. Descends la caméra. Ouais. Quoi? Bah parce que lui, on l'a déjà fait, lui. Oui mais il faut quand même que je monte par là, je pense. Bah j'ai un doute. Par où autre Ouais, Jean-Mi? c'est la coupe de cheveux Esteban, je sais. Par où Jean-Mi tu voulais aller? Je sais pas, et si on faisait le tour? Non? Non, non, c'est par là, vas-y. Bah ça a l'air après si je Ah, me mais on en trompe. vient. C'était niveau 1. Oui mais il y a peut-être un autre chemin après. Bon. R2. Alors je te jure j'ai fait Effectivement, R2. cette VOD va prendre une heure. Rassurez-vous. Installez-vous Il est confortablement. méchant, il est 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 méchant. Il est méchant. 1h20. Ah! Non, je la taquine. Tu peux ra... Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit le passage. Mais tu penses qu'il faut aller On où, s'était Jean-Mi? accroché sur les ronces à la base. Non, pas du tout. Sur ce mur-là, c'était des ronces. Non. Donc, je ne sais pas où tu vas. Bah, tu m'as dit fais le tour. Mais non. Attends. On va pas faire le tour par là. Et... À mon avis, c'est là-haut hein, aussi. C'est toi qui vois. Regarde, il y a un gros. Écoute, essaye. Alors. Attendez, Sur la attendez. droite, il y avait des rosiers. Là, regarde. Ah oui, les rosiers. Enfin, des lierres. On va pas se stresser. Pour tout bon fan de Zelda qui se respecte. Les lierres, c'est toujours l'indice. Incroyable. God of War aussi. God of Un War peu tout, aussi? quoi. Hein? Uncharted? Ah oui, on était monté par là, effectivement. Ça me revient, souvenez-vous. On Alors que. retourne Vous là avez, où tout a alors, je veux commencé. que vous soyez témoin du fait qu'elle dise non, c'est pas ça, à chaque fois. Hein. De quoi? Je lui dis, il y avait des rosiers, des ronces. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit Ah ça. si, en fait, je suis passé par là.
J'ai pas dit ça. Si, madame. Roulade. Ah, didacticiel. En fait, j'ai eu ta voix qui m'a dit « Ah, faut faire une roulade. » Ma voix exaspérante. Tomb Raider sur PS1. Ouais, Tomb Raider, PS1. Hop, hop, hop. N'empêche que quand on réfléchit sur les Tomb Raider, j'ai voulu rejouer au 1, 2 et 3 vite fait. Les remakes ou les normaux? Les normaux, c'est hyper dur. Hein. Enfin, les casse-têtes, on était guidés hein, comparé à avant. Tu vois, c'est un peu ça où j'ai un doute. Non, non, c'est bien par là-bas. Vas-y, alors continue. J'espère en tout cas que c'est par là, parce que sinon... Cheval, non. Je pense que j'ai de l'espoir. En fait, à la base, on avait vu... Et t'as cru qu'il montait les collines, toi. On avait vu les colosses, en fait, arriver. Il était en train de il marcher, est... là. Les Tomb Raider premiers, disait Magnus, c'est une véritable... C'est... Voilà. C'est, je veux dire, il faut... Alors, excuse-moi de le dire, je pense que... Ah oui, ça a mal vieilli. J'attends, hein. Des excuses de votre part, Elika. Non, mais c'est pénible. Attends. Déjà, c'est pas sûr. Et après, moi, j'y peux rien, c'est le jeu qui me guide là. Non, je pense que tu peux aller faire le tour. Ils sont casse-pieds. Donc, c'est effectivement, les Tomb Raider ont mal vieilli. Hein. Je laisse Elika courir pendant son magnifique vue. Hein. Tu vas me dire qu'on a fait un temple là et on peut pas y aller? Non. C'est un boss qu'on a fait, il est écroulé hein. Devant toi hein. Non, c'est pas le boss ça. Si, c'est le boss qui a pris de la terre. Ah ouais? Bah tu vois pas les anneaux? Il est con... Regarde. Ah oui. Il est devenu en terre. Oh mince. Les vieux Tomb Raider, la vraie difficulté qui se rend compte ici Magnus, c'est je pense que c'est surtout le fait de le fait de que vraiment il ne donnait pas d'indices. Allez, on se suicide. Ah, t'es mort. Oh la vache. Eh, hey, moi je fais ça, je suis en poudre. C'est-à-dire que là, j'ai tous les os dans les chevilles, quoi. C'est ça. Allez, on en profite pour faire une petite vue sur ce magnifique... Château de Disney. Regardez-moi ça. Il est très beau. Hein. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir sur cette tour, si ça a été... On peut... Techniquement, elle a été construite vraiment pour... elle a une architecture même à l'intérieur au niveau des graphismes. Moi, ça me plairait de savoir. S'ils ont poussé le détail jusque-là. Je suis désolé, Jean-Mi, t'avais raison. Je suis content. Voilà, bah, c'est pour l'ego. Non, non. Mais vas-y, là, mets la map pour voir si tu fais bien. Ouais, ouais, donc ouais, pas se faire avoir, quoi. Ok. Non mais on a perdu du temps, c'est vrai. Attends, mets l'épée là, parce que c'est pas un passage là. Tourne. Non, c'est, ouais t'as raison, vas-y. Tu peux faire le tour, excuse-moi. Mais c'est pénible, ouais, c'est vrai que pour un GPS, bah, pour nous dire... Pour un jeu de cette durée de vie... Ah non, mais tourne pas comme ça. C'est pas moi qui lui dis de tourner, je vous jure. Allez. Ils sont... J'ai l'impression que j'accélère pas, mais en fait j'accélère. Oui, mais enfin, après les Tomb Raider restent, voilà, c'est les premiers jeux d'aventure, enfin c'est les premiers. C'est un jeu d'aventure qui se respecte en soi, même si ça a mal vieilli. Ça, c'était un poteau rentrant comme vous n'en ferez que rarement. Bon, je vais y aller à pied. Je ne comprends pas pourquoi Lika jette le cheval alors qu'il nous reste encore au moins 3 km après. C'est parce qu'en fait, dans la forêt, c'est l'enfer. Je me cogne à tous les arbres, donc j'aime autant y aller à pied. Et je le rappellerai après, tout seul me suit, donc. Regarde bien si tu as le bon chemin. Bah, il faut que je fasse le tour, regarde où je suis. Ah. Voilà pourquoi. On va aller par là. Pauvre agro. Il me suit, hein, t'inquiète pas. Moi, comme ça, je me balade dans la forêt, c'est sympathique. Agro qui est une jument, cela dit en passant. Ouais, bon, de toute façon, on n'est plus un détail ah, près. Ah, c'est une jument, mais comment on sait? Regarde ton chemin, Lika. Mais je viens de le faire. Ah, parfait. Enfin, je viens de regarder la carte, quoi, après... Qu'est-ce que je fais? Vas-y, va voir, tant qu'à faire. Bon appétit! Bon appétit! Ça a pas l'air d'être par là. Hein. Essaye, Alika, mais c'est pas le fait d'y aller, c'est voir ce qu'il y a. Ok. Juste par curiosité, parce qu'on n'a pas fouillé le jeu, alors que le jeu est rempli de...
Enfin, c'est dingue quand même qu'il y ait autant de trucs et que nous on fait pas. C'est par là en fait, et d'ailleurs. Si ça se trouve, c'est complètement par là. Ben, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment l'inverse. Non, c'est un raccourci. Ah non? Vas-y, avance. Non, si c'est un passage. Bon bah vas-y. Tu peux repartir. Moi je suis bien par là-bas normalement. Quand il est en jaune, ça veut dire qu'on est dans la zone, c'est ça? Je sais pas. Peut-être j'ai jamais trop compris, j'avoue. D'ailleurs, on est au dernier boss et on se pose des questions de début du jeu. Hein. C'est quand même magique, comme quoi je vous dis. On est bien auto-guidé. Non mais aggro, ouais, c'est bon. Merci, mais non merci. Tagada, je fais le cheval qui trotte. Tagada, soin de soin. Tagada, tagada. Alika, regarde ta carte. Pas ton épée, ta carte. Oui, une seconde. Voilà. Mmh. Bah, le chemin était de l'autre côté. Ou alors, vas-y, continue, continue. Bah non, longe le mur, là. Là, si je longe le mur, est-ce que dedans. Tu me prêtes la manette? Ouais, vas-y. Parce que je vois que t'as... Hop! Je sens que tu as envie de t'en débarrasser. Non. Je cherche mon chemin, Jean-Mi. Est-ce que ton cheval te suit? Hein? Quoi, Lika? Est-ce que ton cheval te suit? C'est pas grave, continue à piller en tout. Pas très grave. Je pensais que... Mais c'est bon, ça a l'air d'être par là. Tu peux voir l'épée un peu? Jean-Mi, tu peux mettre l'épée s'il te plaît? L'épée? Ah, mets un peu ton casque, j'ai l'impression que tu m'entends pas. L'épée. Mm-hmm. Non? Tu peux pas? Bah j'ai baissé le son. Ah bon? Parce que j'ai l'impression que tu m'entends pas. C'est que tu parles de plus en plus doucement. Ah bon? Non, non, j'ai le son qui commence à me... Au niveau épée, on est bien? Ah, faut vraiment faire le tour? Elle dit quoi, la carte? On fait le tour des rochers, quoi. Ok. Je pense pas qu'on puisse passer par les rochers, Jean-Mi. J'ai un doute. Si, tu crois? Non, mais je tente. Le jeu, il veut te laisser tenter pour te dire bah non, en fait. Si, il y a peut-être moyen. On va tenter la passe de 3000. Ok. Je tente des trucs nouveaux. Non, il n'acceptera pas. Bon, il est où aggro, là? Voilà, il est là. Je vous en prie, Alika. Hop, 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 hop. Lançons-nous. Il a l'air de galérer quand il monte. Là, il prend un coup de sabot, bim. C'est ça. Bon, allez, il y a un port. Ah, on l'avait pas découvert, lui. Bah, non. De fait. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Un cheval tout terrain, là. Ah, du vide. On va aller à notre petit chapiteau. Et revoilà l'ami l'oiseau. Attention, on va le planer dans 3, 2, 1. Allez! C'est là où on a fait un boss ici, oui. Ouais. Allez. Épée. Ah. Là, il me redit d'aller là-bas. Bon, très bien. On va reprendre bien évidemment aggro. Aggro. Pour aller plus vite. S'il veut. Et on est parti.
qu'on va dépasser. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore une. On voit pas trop le. On voit pas trop la. Là ? Les boss, les boss et les. et les descentes dans le jeu. Oui, c'est un peu la difficulté. Bah, la caméra a tendance à monter. Oui. Donc, du coup, bah, comme elle monte là, exemple, on a du mal à voir ce qu'il y a derrière les boss. Hein. Je suis curieux de voir le dernier boss. Ah, moi aussi. Et la difficulté qu'il va nous présenter. J'appréhende un petit peu même. Genre, il a 3 barres de vie, 15 armes, le truc il est stuffé comme jamais. Et là, tu vas aller te faire tous les fruits du jeu. Pour augmenter ta vie. Non, mais je pense pas qu'on va. Tu sais qu'on va mourir parce qu'il y a des trucs. J'accélère comme jamais. Hein. Il est loin, vas-y, loin, mets loin. Mets ton épée loin, au cas où. Hein. Pardon ? Mets ton épée au cas où. Toujours, toujours. Droit devant. Une mini tornade qui disparaît. Ah oui. Tu veux voir ta map générale, Alika, s'il te plaît ? Ouais, d'accord, on vient bien là où il y a les 3 nuages, hein, en lutte. Ouais, on va c'est vers parti. Le. Oh ! Grosse descente. Toujours tout droit et on va arriver à un précipice, à mon avis. Si tu veux atteindre le boss final, fais ces 6 autres boss avant. Ouais. Pardon ? Ok, faut qu'on descende voilà. Par là-bas. C'est beau, hein. Allez. Vous pouvez pas dire que là, l'immensité, elle est sympathique. Quoi. On n'en prend pas plein les mirettes, hein. Soyons honnêtes. Très très joli. Donc les immensités de plaine. C'est vrai qu'un graphisme comme ça pour Breath of the Wild, ça m'aurait pas dérangé. Pas un graphisme à la zone. À gauche, j'aime pas trop. Oui, t'inquiète pas. Mais un graphisme comme ça, parce que c'est ouais. Épuré, mais pas... Tu vois. Bah le problème du Zelda, c'est que du coup, ça se représenterait comme trop réaliste. Oui, peut-être. Après, peut-être qu'ils vont... Où vas-tu, Alika ? C'est pas moi, il a tourné tout seul. D'accord, ok, il est caractériel, ce cheval. Enfin, cette jument. Je pense que c'est un peu sur ta gauche, je sais pas. Oui, oui. Ah non. Ah. Ouais, bien joué. Je pense que c'est caché derrière ces rochers. Il est long le chemin, hein. Ça fait 20 minutes qu'on galope. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Troll. Ah bah si, vas-y pour voir. Attends. Bah. Si, vas-y. Vas-y. Non ? Non, y'a rien. Ah oui, non, on est au bord de la map. Non, non, en fait, il est juste derrière le virage. Tu longes le... Ouais. Tu longes. Ouais, il est avec aggro, même s'il est pas et très maniable. Et au prochain renfoncement, à mon avis, il y aura le boss. Oui, pardon. Yeah. Mais malgré tout, on n'a pas fait le jeu en 8 heures. Hein. Entre 6 et 8 heures, je pense. Attends, on n'a pas fait le boss encore. Hein. Ça veut pas dire que... non, non, colle le mur, pour être sûr. Que tu rates pas une entrée. Ouais. Tu vois ta map ? Ouais, voilà. C'est louche. C'est tout à fait louche, cette situation. Ouais, excusez-moi, je recule encore, moi, à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais ? Tu recules ? Comment ça se fait ? Je sais pas, c'est l'angoisse. L'angoisse ? La peur. La terreur et... Je dois vous avouer que... Alika... m'angoisse. Me fait peur par moment. Oui, c'est là l'entrée, t'as raison. Ça en a tout l'air en tout cas. En attendant, dans le jeu, ils ont pas fait un miam, pas un pipi. C'est parti. Vas-y, Alika. Oui, c'est la porte. Mais merci. Non, mais je croyais que tu traçais tout droit. Je me dis, que fait-elle ? Elle s'en va. Ouh là là. Ça claque. Ça sent le truc bizarre direct. Tu la vis déjà ou pas ? Bah oui, Alika, pourquoi tu l'aurais pas ? Parce que tout à l'heure j'ai sauté de très haut. Ah, la spirale est géniale. Regarde-moi bien. Tu es maintenant un quoi au juste ? Un sanglier. Ouais, faut que tu la vises, ouais. Bien joué. On n'aurait pas pu tout de suite y aller ? Je sais pas.
Bon, je me lance sans aggro. Hein. Ouais, il s'est cassé la figure. C'était. Alors, rien que ça, c'était énormément honteux. La gamelle. C'est très joli. J'aime bien y aller à pied aussi parce que. Avec ça aggro, nous permet de voir mieux. Oui, parce qu'avec aggro, on a une espèce de flou de mouvement. Ça fait qu'on voit pas le paysage. Alors, je pense que je vais monter là. Ouais, bah, tu peux. Allez. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'on a envie de tout visiter, tout voir, tout regarder. On a envie d'explorer alors que c'est pas fouiller, trop le but du jeu, mais on a envie. Se lancer dans le truc et là. Ah, tu vois, là, il y a une espèce de. Ouais, des espèces de temples. Ah, comme de... un hôtel pour non, fouiller. Non, c'est fourni de beauté, de choses. Allez, on y est. Qu'est-ce qui nous attend? Allez, saute! C'est, oh, fallait accrocher. Mais j'ai fait. Je te jure que je l'ai fait. Bon bah voilà. C'était honteux. C'est honteux. La manette vibre. Oui, réessayez tant qu'à faire. Le problème c'est que je sais pas où elle a sauvegardé en dernier lieu, s'il faut tout remarcher. J'espère que non. J'espère qu'ils sont tolérants. Je le fais si tu veux, Alika. Oh là là. Eden. Je te le refais. Je suis deg. Abro. Allez, y'a là. Bon bah je vais me noter qu'à 20 minutes je ferai une coupe. Putain. Là, maintenant qu'on sait, je vais aller sauvegarder à côté. Ouais, au cas où on tombe. Ah ouais, c'était loin en plus. Hein. Oh là là. J'espère que vous, vous aimez le sable. Hein. Un vendeur d'aspirateurs, il ferait fortune. Désolé. Alors si vous retrouvez cette référence que je viens de dire, tapez 3615 Jean-Mi. Bonne chance pour celle-là. Un vendeur d'aspirateurs ferait fortune ici. Je vois pas du tout moi. Indice, c'est un dessin animé. De quoi, Aladdin ? Ou qu'il se passe dans le désert, je sais pas. Ah, difficile, hein? Oui, mais je sais pas du tout. Et eh bah, bien, on ne saura pas. Vous mettrez un commentaire et je vous dirai. T'as galère, t'as galère, t'as galère, t'as galère. Oh, oups. Mais c'était quel dommage d'être tombé comme ça, quel train nul. Surtout que la sauvegarde était juste là, quoi. Ouais, j'aurais dû... On sait à quoi ça sert la sauvegarde. Ah, éviter de refaire le chemin. Ça soigne et ça permet d'éviter de refaire le chemin. Ouais, tu cours plus là, je t'ai demandé de courir. Ouais, moi ça me le fait aussi, hein, des fois. Mon dieu. T'es galère, toi, toi. Un lézard! Un lézard, vite! Il me l'a semi-visé. Ah oui, ça fait grandir l'endurance un peu. Ah bon? Ouais. Non. Ah non, bah non, parce que tu l'as pas tué. Il court vite, hein, le con! Je l'ai eu. Ouais, est-ce que ça va monter l'endurance un peu, j'ai l'impression. Non. Et si tu allais sauvegarder? On y va. Bon, en fait, en vrai, ça a pas mis si longtemps pour refaire plus. Tout à l'heure, on a... Enfin, ça a mis 5 minutes. Ouais, on va juste sauvegarder, là. Oh, il est là, le fameux lézard. El famoso lézard. Il fait une marche arrière de l'enfer. Mais tu l'as raté. Mais Jean-Mi, il est à côté de toi. Oh, pleine dans tête, la tête. Je crois que oui, ça nous fait monter là. Qu'est-ce qu'il fait l'autre sur les rochers là? Va sauvegarder, Jean-Mi, tu vas pas sauvegarder encore. Là, on a la vie qui augmente. Plus on prie, plus la vie augmente aussi. Alors, on n'est pas encore arrivé au dernier parce qu'en fait, on était arrivé au dernier colosse et en fait, je suis tombée dans le vide en faisant un saut malencontreux.
Voilà. Donc du coup, Jean-Mi me ramène. Et là, mon... Ah ouais, il sifflait plus, là. Mon poulet, ça veut dire. Bon, vas-y, à pied. Hein. C'est un imbécile. Ah, gros. C'est une imbécile. Le fameux saut. Ah, il faut aggro pour sauter, donc c'est pas ma faute. Merci. Je suis en train de me dire, mince. Mais oui, mais aggro, il veut plus venir. Alors, du coup, on est dans la mouise. Il arrive. C'est parce qu'on n'est pas dans la plaine. Le vent souffle sur la plaine. Tiens. Ah. Et l'autre qui nous fait une pointe, qui nous met un gros vent, là. Bon, attention, parce qu'il aime pas les pentes, aggro. Faut sauter avec aggro, du coup, hein, chaton. Ok. Bon, voilà. Vous savez tout maintenant. J'en mis. Tarte aux oignons, miam. Mais en fait, j'aime bien les tartes, j'aime bien les oignons, donc je pense que les deux, ça doit être super bon. Compliment à madame, alors. Mais il y a quoi dans une tarte aux oignons, à part des oignons? Parce que je suppose une que tarte c'est pas... Non, mais je suppose que c'est pas que de la pâte brisée avec des oignons. Ah, bah au moins la porte est restée ouverte. Il doit y avoir d'autres choses dedans. Mais je sais pas quoi. Des oignons caramélisés. Oh, ça doit être trop bon. Ah ouais, d'accord, le cheval. Oignons caramélisés, crème lardon. Ah oui. Ah, ça a l'air bio, ça. Ça a l'air bio. Bio. Ça a l'air bio et bon, tu sais, c'est bio, quoi. En fait, c'est de la carbonara mis dans une pâte. On ne peut pas rentrer avec aggro. On peut pas rentrer avec aggro. Ah, bon, bah, c'est un gros, alors. Ou alors, attendez. Soit il y a un bug, alors. Attendez, j'ai un doute. Mais non, parce qu'après, on a des escaliers à monter et tout, donc... Le menu confinement, non, mais à un moment donné, on peut plus rien faire, on peut plus manger. Moi, je pense qu'il faut que tu remettes ton épée, hein, parce que regarde, il y a encore le signe, c'est bizarre. Oui, mais pas là, Jean-Mi, dans le cercle. Descends du cheval. T'as déjà réussi avec le cheval? Descends du cheval. Non, mais le cheval, déjà, c'est la galère avec X. Sans... Qu'est-ce qu'il fait? J'avais envie, c'est l'ego. Voilà, donc il y a bien une magnifique porte qui s'ouvre pas. Sachez-le. Une porte était en fait fermée. Ne mourrez pas, parce qu'on ne peut pas passer avec le cheval tant que nous n'avons pas réouvert cette porte ouverte par une barrière invisible. Sachez-le. Les portes étaient ouvertes mais fermées. Elles étaient visuellement ouvertes mais intellectuellement, non. Bon bah allez avec aggro, hein. Un bol de sirop d'érable avec un peu de fromage blanc. Et bah tu sais quoi, je me suis fait la même réflexion la dernière fois que j'ai mangé des fraises. J'avais acheté de la crème fleurette et en fait j'ai mis mes fraises dans un bol que j'ai arrosé généreusement de crème fleurette et au final c'était plutôt une soupe aux fraises. Et le cheval est une horreur dans les escaliers. La jument. L'animation. Bon courage. En tout cas, bon dessert. Ça a l'air très bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sirop d'érable, il faudrait que j'en rachète. J'ai fait des paniers. Oui, c'est avec le cheval du coup. Vite. Oh, l'animation se fait automatiquement. Non, aggro. Vite. Allez, non. Au revoir. Oh, merci. Le dada. Oh, il nous a fait chier tout le jeu. Non. Oh non. Parce que tu savais que ça allait faire ça. Sinon tu n'aurais pas dit il faut aggro. Salaud. Mais moi j'ai essayé de sauter sans aggro, ça a pas marché. De toute façon il était chiant. Il est un peu pâle notre personnage. Je devrais prendre un peu le soleil. Vous avez pensé aller au bord de la mer? C'est bon. Oh non, pauvre dada. De toute façon on n'y tenait pas vraiment. Pauvre dada. Il n'y avait pas de lien affectif. Alika. Ah, j'ai peur. Et si je tombe encore? Je te préviens que c'est toi qui repars pour le chemin. Hein. Moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. D'autre côté. Là, ça sent la merde. Ça sent le caca, on dit. En fait, si. Non, pas mis notre chaîne en mode adulte, madame. On avait pas fait attention à quoi? Du coup, j'ai pas suivi votre conversation. En fait, si tu n'avais pas fait attention. Pas compris. On n'a pas compris. Au fur et à mesure que tu tues les colosses. Ouais. Ah ouais, et ouais, sa donc nana, tu vas elle mourir doit... quoi. Sa en nana, fait, on donne reprendre... notre vie pour elle, c'est tout et ce qu'on fait sa quoi. Sa nana, elle doit reprendre la vie en fait, je pense. Parce qu'elle, pour le coup, elle est de plus en plus pâle aussi. Pourquoi, non, elle est de plus en plus colorée. Oui, de plus en plus colorée.
Non, Lika, Lika, y a... Ouh, si. Ah. Ah. Alors, regarde à droite. Voilà. Je suis en train de faire de la grosse. Je pense qu'il faut que tu descendes d'un coin et que tu longes. Non, non. Ne fais pas ton genre mien. Oh, si. D'accord, le jeu est sympa. Laissez-moi explorer. Laissez-moi explorer. Laissez-moi. Laissez-moi explorer tous les. Non, il y a de la. Alors là, on retient. Il y a de la moquette murale. La leçon de Jean-Mi. La moquette murale. La moquette murale. Excusez-moi, hein. Je craque. C'est l'heure. Attends, c'est enfin débarrassé d'un boulet dont je suis méchant. Mais... Oh, là-bas, là-bas. C'est parce que c'est le dernier colosse, donc en fait, on n'aura plus à faire de longue distance, donc on n'a plus besoin du cheval. Non, mais il se débarrasse du superflu. Après, il va se débarrasser de lui-même. Et après, on est tranquille. Hop. Pauvre agro, quand même. Punaise. Ouais. Ça aurait pu être pire. Vous auriez pu tomber tous les deux. Oui. Mais là, game over, quoi. Là, là. Ouais. Oh, le Tomb Raider. C'est vrai que oui, ce que tu disais tout à l'heure est devenu de plus en plus pâle, mais... Un peu comme nous, au fur et à mesure. As-tu vu le corps? Le corps du cheval? Le corps du cheval ou de la fille? Mais non, du cheval nain, bah oui, mais il est tombé dans l'eau. Il y a des éclairs. Alors, Alika, on fait quoi, là? D'un coup, il fait moche. D'un coup, il fait hyper moche. Je sais pas. Là, moi, je pars du principe qu'il faut monter sur ces colonnes. Ah oui, j'allais sauter, mais... Ha voilà, comme ça, tu peux continuer à monter. Non, 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 regarde en haut. Bon. La loi des films. Pas de mort. Oui, bah... Ouf. C'est les détails de voyage, ouais, bah oui. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est claqué! Trop bien! Il me fait trop peur. Mais vas-y, Alika, c'est un colosse là. C'est lent. Ah, c'est un colosse citadelle. Je vais dire un colosse italien. Non, c'est. Il a une jupe. Non, mais moi, c'est pas mon. Il est écossais. Si je cauchemarde un petit peu, je file la manette à Jean-Mi. Ok, je viens de comprendre ce qui se passe. En fait, on va devoir faire semi-plateforme pour monter du. Le géant de fer, le film. C'était ça les 6 heures pour le monter, d'accord, j'ai mieux. J'ai compris. Bon, faut pas l'inviter dans une soirée. Faut pas l'inviter dans une soirée coquine, lui. Ça fait déjà une demi-heure qu'on a la VOD, on n'a pas commencé encore le colosse. Ça, c'est ton pire cauchemar. Mais non. Ah, il m'a vu. Salut, tu m'as. Allez. Tu m'as vu, tu m'as pas vu, tu m'as vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as vu. Oui. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Ouh là là. On se calme, Thor, là. C'est du tonnerre. Ah, faut courir vers lui quoi. Et puis tu pries quoi. Ah. En fait, il faut essayer de sauter pour pas se faire. Ah, ça c'est une horreur. Pour pas tomber en fait. Cache-toi derrière les trucs. Ah, mais. Oui, se mais... cacher derrière veut dire que. Jean-Mi, à un moment donné, faut bien que j'avance. Oui, mais attends qu'il arrête de tirer, Alika, il est dans une phase de tir. T'attends qu'il y ait une petite accalmie, puisque là. Là, on va devoir monter de plus haut. Et recommencer. Ah non, ça va. Ah, tu peux t'abaisser en attendant pour recharger ta vie là. Ah oui. Petite pause pipi. Ouais, Fire in the Hole, ouais. C'est tout à fait ça. Donc c'est ce qu'il écrit dans Counter-Strike, Alika. Quand tu... Tu joues à Counter-Strike? J'ai joué un peu, bah durant mes études un petit peu, pas plus que ça. C'est toujours d'actualité. Après, comme ça jeu, pas je été crois. Un jeu, c'est pas mon style de jeu, j'étais plus Quake 3 Arena. Quoi, la différence ou Unreal Tournament. Je recharge ma vie. Hein. J'ai l'impression qu'il est en train de faire caca. On est sur le dernier, hein, on est plus à ça près. Après être mort. De toute façon, elle me donne la manette dans 5 minutes. Non, je vais essayer de le faire quand même. Bah oui, j'espère, Alika, ça serait cool. Attends. J'ai confiance en toi de toute façon. Allez, je vous ai prévenu que ce serait une. Mais cache-toi derrière les murs. Je vous ai prévenu que ce serait une VOD longue de toute façon. Accalmie. Go! Tu vois, il n'y a jamais d'accalmie en fait. Dès qu'il me voit, il me bombarde les fesses. Bah, essaye de suivre les murs alors. Mais
jamais vers le centre. Allez. Ouais, c'est synchronisé, vas-y. Et là, faut regarder où est le prochain en avant. Là-bas. Ah oui, d'accord. Oh, ah bah non, il est pas là. Il est là, le passage. J'ai fait exprès. Suis le... Ouais, ouais, attends. Qui se relève, Jean-Mi, là? Oh, pas toi. Oui, voilà. Il y a des joueurs contre qui on n'a pas envie de tomber. Je comprends, This is Magnus. Il y a This is Magnus pour la VOD en fait, qui dit qu'il lui jouait et puis a rencontré des gens qui avaient un niveau. Honnêtement, des très haut, un très bon niveau et qui, du coup, bah, quand on tombe sur des joueurs comme ça. Les gars, tu peux monter sur les rochers, je pense. On regarde sur la gauche alors. Bah ouais, c'est par là, regarde, oui, il regarde. Par terre, regarde. Tu ouais, peux longer le mur. Passer par un truc, non, regarde, longe là par terre. Non, non, mais c'est si, la saute, saute, saute. Je vais tomber, Jean-Mi. Je fais. Ça. Bah tiens. D'accord. Vous me... Alors attention, ah, non, mais à ce moment-là, je parie non, un je jeu vois. Vidéo. Non, c'est bon, je vois ce qu'il faut faire, c'est bon, j'ai vu. Non, mais vas-y, fais-le. Mais... j'ai vu. Vous voyez comment gagner un jeu vidéo gratuitement? Sachez-le. Sachez plastique-le. Il va tomber, il va dire encore que c'est la faute de la manette. Grave. Je sais même pas comment on fait pour viser de l'autre côté. Il faut que tu restes bien sur R2 et t'appuies sur X. Et reste bien plus sur R2. Le truc pour s'accrocher, tu maintiens bien et tu fais X. Vers l'arrière, du coup. Ah, tu... ah voilà, exactement. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai la... Non, non, mais oh, 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 tu me laisses en pleine tornade. J'ai l'impression qu'en plus, comme il pleut, je vais glisser encore plus. Allez, c'est bon. Elle est déjà coincée que... par un mur, c'est magnifique. Pince. Caméra. Aïe. Oh là 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 là. On va bien rigoler sur le dernier vote, je vous le dis tout de suite. La musique est magnifique. Fais attention à ta vie, Alika. Tu peux t'abaisser un petit peu avant de monter, si tu veux. Mec, t'excites en haut. Puisque le fait de s'accroupir fait qu'on charge. La la li la lu. La la li la lu. La la li la li la li la li. J'ai monté un peu le son, alors vous allez avoir la musique bien forte, mais. Enfin, pas bien forte, mais. Mais on va plus nous entendre, Alika. Il faut pas monter. Bah. Encore ? Parce que là, ça. Voilà. C'est bon, je suis bien. Hop. Je ressors où? C'est où le bazar? On est où là? Bah là derrière le mur, regarde. Tu peux monter derrière ce mur. Ou passer par là, voilà. Ok, d'accord. La caméra de l'enfer. Bon. C'est un troll, merci. On va passer par l'escalier. On va se faire douiller. Non, il y a un mur. Merde, Alika, il y a un mur. Oh, tu vois rien? Ah oui. Mais c'est bien ça, donc il faut que tu longes les murs sur la droite. Allez, monte, je sais que ça glisse, mais... Alors toi, pour monter sur ta jupette, ça va pas être du gâteau. Tu m'as pas vu. Ah, là, il y a un trou, là. Oh, ça va, ça va. Ça se fait doucement. J'ai mais pas sûrement. Hâte de monter le titan. Doucement mais sûrement. On y est. On est dans sa jupette. Ouais, on est sous ses pieds. Ah, il bouge pas en fait. Ah bah vu la jupe, c'est compliqué hein. On y va. Il est craqué le vous boss. Vous pariez qu'une fois arrivé tout en haut, je vais tomber comme il y a pas un point de sauvegarde là. Alors, par où qu'on monte? Bah tout droit. C'est parti pour l'ascension. C'est parti pour le plaisir. Alors nous sommes aujourd'hui arrivés en haut de quelque chose où effectivement comme le colosse tremble, il va falloir régulièrement tenir R2. Vous pouvez partir à gauche ou à droite, c'est la même chose Alika. Plaisir d'offrir et joie de décevoir.
On a très bien fait en tout cas de monter la lumino, sinon on aurait rien vu, je pense. Allez. D'accord. Il a tenté un saut acrobatique. La première fois, t'as mis 15 minutes pour arriver en haut et t'as glissé. Non mais ça c'est mon destin, tu vois, ce que tu viens de dire. Ce qui tremble le cou. Pour l'instant, c'est calme. Il m'a pas vu, hein. Je suis sûr que c'est chupette encore. Là, je suis en train de speedrunner, tu sais. J'ai une question, Alika. Oui. Tu peux... Si tu montais un peu vite, je me demandais si on pouvait pas casser les chaînes en frappant avec l'épée. Mais vas-y, continue. Tu vois, ces chaînes-là. Là, tu peux pas. Non. Vas-y, bon, bah, amuse-toi bien. Non, tu peux pas. Y a pas de rebond. Tu vas pouvoir lâcher après. Ici. Non. Regarde où tu es. Ah oui, d'accord. Ok. Alors attends, parce que je sens qu'il va me repérer l'autre. Par où je monte après? C'est pas très clair. Et je suis quasiment en haut déjà. Non, t'es à sa taille là. Ah. C'est non. Je vois pas bien. Ah oui, tu peux là. Essaye de... Ouais, tu peux monter là. Il y a un point de sauvegarde? Non. Vas-y, continue, les gars. Vas-y, fais le tour. Oh, je sens que je vais... Oula. Comment tu m'appelles? Ah, moquette, c'est bon, moquette murale, on peut y aller. Ah, tu peux taper là, vas-y. Avec plaisir. Attention, t'as un truc dans le dos, ça va chatouiller. Acupuncture. On va éteindre le bras ou quoi? Vas-y, tape. Retape. Bah, retape. Pourquoi tu retapes pas? Ah, non, vas-y, c'est pour mettre la main. Regarde, il est poilu. Je suis censé m'accrocher à la main. Saute en face. Non, non. Saute tranquille. R, 2, 3. Il a dit quoi sa réponse? Vous indiquera le chemin, j'ai pas. Bah, tu frappes là où ça fait mal et ça va te donner. Voilà. On reprend tranquillement. D'accord. Comme tout à l'heure, essaye de remonter. Ouais, parce que je vois plus. Tu t'en sors bien. Le R2, c'est son ami. Hein. C'est bon, c'est là où j'étais. Voilà, on continue. Donc là il faudra taper dans le dos et en fait sauter dans la main poilue. Attends, une gigote là, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors. Allez, fais un effort, tu l'as fait. Est-ce que tu peux enlever ton épée peut-être? Non. Là si je lâche, je le tombe. Pourquoi tu fais pas croix? Ah d'accord, ok. Parce que j'essaie. Adieu. Oui, bon, ça va. La réponse indiquera le chemin. Saute encore, voilà. Il y a qui marche doucement. Ça va, jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Là aussi. Là, ça marche bien. C'est l'ascension du mont du péril. Ouais. Alors là, j'avais fait le tour tranquillou. Et jusqu'à la moquette. Moquette. Et là, gratouille dans le dos. Voilà, et après, tu fais ce que t'as dit tout à l'heure. Tu te prépares à sauter en face. En fait, t'attends qu'il se retourne. Vas-y. Donne-moi ta moquette. Tiens. Je vois pas. Oui, j'y suis. J'y suis. Le problème est vrai. Ah, il faut que tu montes là. Ouais, pense à faire du R2 quand même. Attends, je vois pas, caméra. Vas-y. Attends, non, vas-y, non. Je t'assure que la caméra, elle est pas en ma faveur du tout. Là, si je fais un mouvement, je vais pas réussir à monter. Tu y es, tranquille. Et pends. Et maintenant... Ou tu sautes dessus. Allez saute. Non. Il a pas retape. Voulu.
mais saute. Il a pas... Putain, je vois rien. Je suis où? Je sais pas. Je vois rien, je te jure, je vois rien. C'est horrible. Pour sauter, ah non, mais je te crois, Lika. C'est pas grave. Le problème, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ta barre d'accroche. Et ouais, je sais bien, mais j'arrive pas à sauter, en fait. Parce qu'en fait, il faut que t'appuies sur croix et que tu fasses le joystick arrière et après tu lâches croix, il va non, sauter. Non, je te jure, regarde, même... This is Mac... Oui, c'est le problème du boss, d'accord. Voilà, c'est bon. Suis. Le problème, c'est que... Ouais, je sais bien, mais... Ouais, mais... Monte. Il y a du feu. Putain, je vais tomber. Adieu. Ah putain. Bon. Est-ce que tu veux que je t'y ramène? Tiens, tu peux continuer faire un petit peu? Je vais essayer un petit peu. Est-ce que ça t'ennuie de... Non, je, vas-y, t'as envie de t'amuser. Non, c'est pas que j'ai envie de m'amuser. On fait à deux. J'ai les mains qui transpirent. Non, mais par contre, c'est très très sympa. Le côté où le boss est une plateforme, c'est super cool, je trouve. Je vais laisser un peu Jean-Mi expérimenter la partie velue. C'est très très cool en tout cas. Parce qu'encore une fois, c'est pas tellement... il était très agressif quand on était en bas. Mais là, ça va quoi, c'est une plateforme. On est pas à distance, ouais. Là, il fait rien en fait, le... C'est presque, c'est pas un boss en fait, c'est une plateforme le truc. C'est un niveau, c'est une tour à monter et puis basta quoi. Il est pas agressif du tout. Il se secoue à peine. À peine. Okay. Donc là tu fais le tour tranquille jusqu'à la moquette. Et là t'as la partie la plus sympa. Jean-Mi est concentré. Ok, parce que j'ai pas compris. Tu vois, le saut il est pas simple. Une fois que t'es calé en haut, si tu glisses pas comme un con, c'est plutôt simple. Ah bah oui. C'est là tout le... C'est le... Il faut avoir de l'endurance le temps de... Ah mais à chaque fois je me trompe de bouton, excusez-moi. C'est X pour sauter moi. J'en ai. Okay. Acupuncture dans le dos. C'est pas la destination, l'important c'est le voyage, Jean. Bon, là la destination quand même ça importe. Non, là je l'ai trop énervé, je crois. Ah, t'es tombé? Non. Non? Non? Ah, j'ai cru que t'étais tombé. Bah non. Ok. Avant de t'agripper au poil, essaye de te remonter un tout petit peu ton endure. Un petit peu. Voilà. Se retourner sur le poignet, remonter vers le poignet et monter. Ce qui est pas évident parce que la caméra elle bouge tout le temps à ce stade, tu vas voir, c'est pas évident. Ok. Tu vas comprendre. Ah la vache. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Mon perso est en train de partir à l'autre bout du monde alors que je lui ai pas demandé de faire ça. Et du coup, comme t'as que cette endurance là pour monter jusqu'en haut, en fait ton endurance elle part vite. Je sais pas si tu peux la récupérer un peu. Ah ouais, tu peux. Oh bravo. Ça c'est malin. Accroche-toi. Et là tu ne vois plus ton personnage, débrouille-toi pour monter à ce stade. Ah, tu t'en sors bien. Ah non. Ah bon? J'ai comme un doute là. Effectivement, le jeu est un petit peu farceur, nous dirons. Si tu veux que je reprenne, tu me dis où tu veux faire toi. Alors. Mais je lui demande de sauter, mais qu'est-ce qu'il veut pas faire? C'est la faute de la manette. Là, il peut se mettre sur la pomme. Quoique non, tout à l'heure, t'as réussi à monter sans être sur la pomme. Par contre, t'as surtout réussi à remonter ton endurance en restant un petit peu sur son poignet, et ça, c'était mal. Faut aller.
Mais là c'est bien parce que t'as beaucoup d'endurance par rapport à moi. Bien. Oh c'est très bien, t'as beaucoup d'endurance, c'est super. C'est là où je me suis cassé la figure comme une... comme un caca. Alors il est où le point à taper là d'ici? Il est où le point à taper pour enlever le feu, je vois pas. On n'est jamais allé plus loin que ça, et là... Tu te sens d'arrêter de te laisser mourir là, sur la main du gars? Non, de taper quoi, je comprends pas. Chier là. Ah non, le point du bras on l'a fait. Tu vas te reposer un peu sur le bras quand tu le remettras à l'horizontale. Ça. Un petit peu quoi. Il tombe comme une grosse merde. C'est vraiment un... ouais. C'est pas évident hein. Quand tu le regardes comme ça tu dis ah bah ça a l'air simple. Mais c'est pas évident. Mais on va y arriver hein. Mais là, exemple, j'ai beau faire des choses, je glisse. Alors, ce qu'on n'a pas tilté, c'est une fois que t'as passé la main et que t'es sur l'autre bras, où est-ce qu'il faut taper? Attendez, j'ai un doute là. Non. Ouais, non, il n'y a qu'un seul passage. Ouais, mais là, tu es en train de perdre ton endurance. Merci, Alika. Tu dis merci, c'est ironique ou... Non, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, tu avais raison. Et puis il veut pas me lâcher quoi. Hop, hop, punaise. Non. Oui. Là vous m'avez vu avoir de la chance. Sinon je suis sur ta main là, merci de remonter, parce qu'on a pas que ça à foutre. Sérieusement. Ça va pas être trop greedy, Jormi, ça peut être ton vilain défaut. Quoi? À pas être trop greedy, tu risques de tomber fort. Hein. Meurs. Allez, là, Mano. Alors, je t'avoue que j'ai vu le point, mais je vois pas comment l'atteindre, il est au-dessus des flammes, en fait. Je vois pas comment on va au-dessus des flammes. J'ai vu la tache bleue, elle est au-dessus des flammes, en fait, sur le poignet. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Oui, on ne voit plus rien. Il faut lui sauter dessus sur la tête quand il lève la main, ça. Aucune idée. Frappe. Il n'y a rien, tu veux qu'on frappe quoi? On va se reposer. Et il est relou, hein. Alors, je me permets 2 secondes, excusez-moi. Ça m'aide pas du tout parce qu'en fait il me dit juste hey, regardez le truc il est par là. Je vais reprendre la manette un peu, ouais. Les gars, vas-y, essaye. Excuse-moi, je vous abandonne quelques instants. C'est parti. On y va. C'est l'ascension finale. Et mais c'est vrai que cette histoire d'ascension finale, c'est un petit peu comme bah encore, je fais le parallèle avec ce que je connais. Mais c'est pareil, on a une ascension finale dans The Last Guardian, qui est forte aussi. Une espèce de tour qu'on aperçoit et qu'après on monte avec Coco et tout ça. Allez. Non, mais saute pas maintenant en fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris? Pas sauter maintenant. C'est jamais ce que j'ai demandé. Enfin. Pourquoi? Ah non, oui. Allez. Allez, on va se déplacer. On va essayer de remonter. Ah.
peux plus passer. Je suis là. Comment on va mal? On bosse pas. Non, 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 non. Mais... ah! Arrête! Arrête ça! Arrête ça. Je vais me remettre debout. Allez! On s'accroche et on y va. Parce qu'on n'a pas non plus masse d'endurance. Je suis accroché là? Ouais, j'ai l'air. Non, j'étais accroché! Non, 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 non! Putain! Pardon. Mais mercredi, j'étais accroché! On voit rien, c'est pas possible. Tombe comme un bourré. Bah oui! Non mais terrible. Faut rien dire à Jean-Mi, hein. Faire genre. Non mais c'était pour le plaisir de refaire cette ascension. On est à la fin du jeu, donc on se fait plaisir, on refait. On va refaire ça vite fait, bien fait. Hop, 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 hop. Alors là, on va passer par là. Pourquoi pas? Hop. Allez, allez, petit. Hop. Et on monte la montagne à cheval, bah pas en cheval parce qu'il est tombé. Mais c'est l'idée là. Et voilà, comme si de rien n'était, regardez. Paf, paf. On retourne sur les poils. Ah, on va le connaître. Non, 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 non. Mais putain, mais saute. Pardon, il me fait peur. Pourquoi il saute dans le truc où je lui demande pas? Je suis désolée, c'est l'émotion. Allez, alors on se pose, on reprend notre souffle et on est reparti. Voilà, donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui, l'école est finie. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, du coup, désolé, mais je me repose un peu parce que tu m'as pas assez. Ah, il y a finalement notre automode qui se met en route, Jean-Mi, si tu veux bien. Modéré. Il marche pas, mais alors pour ça, il marche. Je peux peut-être essayer de tenter les. C'est parce que j'ai dit putain. Du coup, il modère. Pour dire est-ce que c'est accepté parce qu'il a reconnu un truc qui. À l'oral, ça passe. Mais à l'écrit, on est moderne. Mais oui. Bon. Elle est finie. Na 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 na. Ne tombe pas, s'il te plaît. Mais. Elle est finie, putain! Pardon. Bah heureusement qu'il n'y a pas de l'auto-modération sur le. On va le micro, hein, parce qu'on l'entendrait plus, hein. Allez, Alika. Oui, oui, oui. Ne dis pas. Allez, ça veut dire quoi, allez, Alika? Bah en fait, il faut sauter quand t'es accroché. Ça te fait gagner un peu d'espace. Là, tu peux sauter maintenant. Putain, vas-y, la meilleure idée du monde. Laisse-moi faire. Tiens, vas-y. Ok. Je te laisse faire parce que moi, je dis trop de putain à la seconde. Mais ça va pas. Alors moi, je vais tester, voir si ça marche. Si quoi? Ça marche, nos trucs. Ça marche? Non, ça marche pas. On a essayé de mettre en place des trucs. Ah, par contre, jusque la jupe on monte, hein, y a pas de problème. Hein. Oui, jusque la jupe on monte. Il est sérieux. Où il tombe? Eh ben parce qu'il glisse. Je vais éviter de faire n'importe quoi.
Non mais surtout qu'on glisse parce qu'il pleut. Et là Jean-Mi cette phase il a maîtrise de ouf. Jusque là tout va bien. Et c'est là que ça se gâte. Déjà là. Déjà je comprends pas pourquoi il m'a fait un truc bizarre comme ça. Ah non mais... Genre ça. C'est pas grave, restons calmes. Non mais attends, il faut que je t'avoue quand même, comme ça, ça va te faire relativiser. Je suis tombée complètement de la tour tout à l'heure. Sérieux? Je suis tombée jusqu'en bas, j'ai dû tout recommencer. D'accord. J'étais à la main et j'ai glissé en sautant. Il a mal sauté, je suis tombée. Non mais... On va pas se prendre la tête, on va le faire tranquille. Non mais t'inquiète, on aura... On aura un joli best-of sur cette VOD, puis voilà. Tu sais, This is Magnus, il nous a prévenu, il a dit le boss du... C'est pas le boss, c'est le gameplay, le boss, sur ce dernier niveau. Et effectivement, parce que les sauts de l'enfer, l'accrochade, c'est compliqué. Il est notoire qu'une dernière VOD doit être 2-3 fois plus longue que la normale. Ah oui. C'est déjà le cas sur celle d'Ori. Excusez-moi, mais par contre... Tu veux que j'essaye? Non, non, non. Attends, Alika, 2 minutes. Juste là, ce qui m'énerve, c'est le fait que j'ai beau... Là, on arrive dans le stade du jeu où on va commencer à accuser le jeu vidéo. Il va s'énerver. Là, c'est la partie où on accuse le jeu vidéo. Là, ça se passe là, tu la gères super bien. Et c'est après que ça se complique. Là, c'est ok. Et là, que faire? Ah, on pouvait lui taper dessus. Oh, mais on lui a enlevé vachement de vie, en fait. Le stade... De... Le stade s'apprête et on commence à insulter les mamans des développeurs. Ah, peut-être pas les mamans, mais les développeurs déjà sera pas mal. Là, on voit plus rien. Merci Jean-Michel Caméra. Est-ce qu'il faut lui monter dessus ce stade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, punaise. Non, faut faire ça? Je viens de le voir. Ah non, il va sur sa main donc tu peux sauter. Oh, misère. Oh non, trop de stress. Non, Alika, Alika, s'il te plaît. La pression était trop grande. C'est pas ça, c'est parce que t'es... j'étais concentré dans le truc, tu fais « Ah mais y'a ça, j'ai pas compris ce que tu me parlais. » Ah, je t'accuse, de, je t'accuse après, de, c'est le stade où il de mon échec. Ah, ça lui est arrivé aussi à This is Madness. Ouais, c'est bien. Mais il est un petit peu, hein, le... Tu vois, ça nous rassure parce qu'au moins, on n'est pas les seuls à... Ouais, non, mais bah, si on galère, c'est alors qu'on roule depuis le départ dessus, c'est que voilà... Il n'avait pas l'excuse de sa femme à côté. Non, mais c'est toujours... c'est bien d'avoir une conjointe à côté. Ouais, ouais. Et pan! Ça permet de... Après, c'est vrai que j'ai tendance à commenter beaucoup. En même temps, on est en live aussi, je parle. Mais vous inquiétez pas, je parle également quand on est en live. Vous voyez ça, ce qui m'énerve, c'est ça. Hop là. Tu t'en sors très bien. Mais ça, c'est quand tu sautes, et j'ai à peine sauté, j'étais déjà sur le... Je pense que c'était pas pile dessus, c'était un peu... Ouais, il a un petit peu... Profil, ouais, ouais, la caméra, pas. Comme disait... C'est Magnus, c'est... voilà, la caméra, si tu fais pas exactement le saut qui est prévu là-dessus, c'est un petit peu plus difficile que prévu. Allez, hop. Viens, viens là. Il a pas à s'accrocher là, exemple. Ouais, mais là, tu vois, il va sauter à l'envers. Ah, tu vois, des fois, il pop bizarre. Mais... Bah alors... Putain, on a eu 2 secondes de... Ok, donc là, vous voyez, exemple. Le fonctionnement n'a pas réagi. On voilà, deux on reprend. Pour, on
on n'avait pas vu, mais en fait, il fallait taper, même s'il n'y a pas de, de signe, en fait. Et après, il emmène... Allez, normalement, là, a priori, ça va. Il faut bien s'accrocher, mais maintenant, si on est là, ça va. On peut monter sur sa tête. Allô ? Ah, j'ai oublié de taper. J'ai oublié de prendre là, la, l'épée. Oh putain, il s'agit de quoi ? Je ne sais pas. La partie simple, c'est maintenant. Ah, cool. Bah oui, maintenant, du coup. Bon, Jean-Mi, il a mérité, c'est lui qui a réussi à aller jusque-là. C'est le moment satisfaisant pour Jean-Mi. Et là, je fais pause et je laisse Alika le faire. Non, parce non, que non, 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 si non. C'était ton boss. Non, j'ai peur de le foirer. Ah non, je sens trop, je vais lâcher parce que je vais reprendre la manette et je vais foirer et je vais tomber et je vais être deg. Non, c'est bon. Moi, vous sentez le drame arriver aussi bien que moi. Juste rester calme. C'est pas grave, c'est comme si j'avais fait. J'ai fait une bonne partie. C'est impressionnant parce qu'on ressent bien le côté d'être secoué comme... Ouais, bah oui, oui, vu comment elle bouge la caméra, je vous confirme. On le ressent bien en fait, on le vit le truc quoi. Même quand elle a pas envie de bouger, elle bouge hein. Allez. J'aime bien quand... Par contre, quand on frappe, les dégâts qu'on fait, c'est incroyable. Bien rester accroché comme si ta vie en dépendait. Ah, t'as envie de porter ton dernier coup, mais tu peux pas parce qu'il arrête pas de bouger. Allez, encore un dernier pour la route. De la patience, de la patience. C'est fait pour m'énerver. Saloperie quoi. Et là on commençait. Saloperie de rien du tout. On commençait à stresser parce que tu voyais la. Ouais, ça commençait à biper. Le dernier colosse. On voyait la barre de stamina qui commençait à clignoter. Eh, on l'entendait. C'était dans le l'angoisse. Casque. GG Jean-Mi. Non, GG à toi Alika parce qu'en fait. C'était un travail d'équipe. Je t'ai râlé dessus parce que j'étais là, j'ai essayé de comprendre le truc et à un moment, quand il a fait un mouvement d'épaule, je me suis rendu compte qu'il y avait un trait bleu sur l'épaule gauche. On revient. Par contre, hein, là on glisse plus, hein, bizarrement. Hein. J'allais m'accrocher, tu sais, encore. Hein. Ah, excusez-nous, mais là. Ah, attends, je pense donc je vais mettre.
Si le cheval vient lui lécher le visage, c'est une imposture. Non, il est mort, regarde. Ah non. Oh la vache. Il a des cornes et tout. C'est un zombie. Après taper tout ça?
qu'est-ce qu'on fait? Tu les tapes? Ouf. On s'est fait enfler. Tu sais, c'est nous le colosse. J'ai pas compris là, parce que le jeu est lent, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut taper, bah en fait c'est toi le colosse, ils essaient de te détruire, donc c'est à toi de les détruire je pense. Là on est dans l'inverse en fait, on n'est pas un petit qui essaie de détruire, faut que tu détruises toi les gens je pense. T'arrives à avancer ou pas? Non. La rage de Dormine. Dormin. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas où ils vont les gens. Ah, bah on a perdu. Tu crois? Bah ils ont réussi à s'enfuir. Attends, on va voir. C'est nous qui jouons, on essaie de s'en sortir. Retourner vers celle qu'on a essayé de sauver. On essaye. On y arrive. On lutte. C'est un peu fait exprès là. C'est pas toi qui gère la caméra. Non. C'est pour nous donner l'espoir qu'on peut y arriver, c'est terrible. On peut pas aller plus loin que ça. Ouais, c'est fait exprès là. Parce que je ne peux même plus sauter. Le jeu il nous fait jusqu'à quand on va lutter, tu sais. Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu continues? Je
Je sais pas pourquoi je sens qu'on peut pas y arriver. Ouais, on peut pas. Dès que t'arrives à la ligne là-bas, tu... Vous voyez, je peux même pas faire le saut de... C'est pour nous faire lutter. Est-ce qu'au bout d'un moment on y arrive ? Je sais pas. Ouais, c'est quoi, on y va là, je vais pas faire tout. Ah, finalement t'abandonnes pas. Ah, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Allez. Allez, vous voyez, je peux pas là. Je peux pas aller pour cette ligne. Non. A chaque fois, vous voyez que je flotte. Ouais. Donc c'est fait exprès. Adieu. Bon, bah allez. On t'en va, hein. Ouais, mais c'est bon, c'est pas la peine de me faire tomber non plus. Hein. Non plus me faire passer pour un imbécile, quoi. On peut pas. On Et a bah essayé. Tant pis. On a essayé de lutter, mais on peut pas. Adieu. Mais on a essayé. Ça fera du c'est bien. C'est terrible, hein. Allez, salut. Quel de Ico. Mmh. Donc ceci est le préquel de Ico, si je comprends bien. Et là, vous voyez le rocher au-dessus qui fait prrr, écrasé. Ah là, c'est réglé, merci. Tu te rappelles du début de Ico? Agro boiteux. Normalement, un cheval qui a une patte cassée, ça se ressoude pas les os, non?
est vivant, le gros boiteux. On n'a pas eu le temps de lire. Hein. Écriture blanche sur fond blanc, c'était pas la meilleure chose. Et c'est donc la fin de Shadow of the Colossus. Alors, on n'a pas tout fait pour ça, mais franchement, j'ai cru que... Moi, j'ai fait que pour taper les boss. Hein. L'histoire, j'étais pas à fond dedans. Bon, après, il n'y a pas non plus une histoire de dingo, mais... Ah, il y a une scène post-générique. Je me disais... Bon, de toute façon, nous, on va laisser tout. Mais au début, je me suis dit... Le jeu, il va être salaud jusqu'au bout. Il va dire, t'as fait tout ça pour rien. Non seulement tu vas mourir, mais en plus, ta chérie, elle va pas revivre. Terrible. Bon, la bonne nouvelle, et c'est quand même le plus gros du jeu, c'est que Agro n'est pas décédé. La bonne nouvelle, c'est qu'on fera pas Ico. Ça m'a pas donné envie quand même. Il boite, mais il est là. Ah, oh, on revoit tous les lieux qu'on a fait. Ouais, tous les colosses, ouais. Et c'était chouette, hein. Chouette jeu. En fait, il a vraiment une atmosphère, le jeu, je trouve. Jean-Mi, qu'est-ce que t'en as pensé, alors? C'est une super bonne atmosphère, mais je vous avoue que je me suis pas du tout plongé dans l'histoire du jeu. J'étais plus dans le côté graphisme, la beauté, le principe, la lenteur du boss. Ouais, lui taper, puis pas trop... Enfin, pas plongé plus que ça dans l'histoire, parce que l'histoire n'amenait pas grand-chose, en fait. Juste à la fin, bonjour, on déroule un truc, quoi. Bon, elle est très simple, mais il n'y a jamais beaucoup d'histoires hein, dans ce genre de jeu, de toute façon. Hein. T'as un truc vite fait... Tu te souviens, Asgardian, t'avais pas une histoire, vraiment, c'était plus une expérience. Dans Asgardian, c'est pareil, t'avais pas une histoire, c'était plus une expérience. Là, c'est une expérience de jeu avec ses colosses, et en fait, t'as une espèce de petite histoire qui lie un peu le truc, mais c'est pas le point principal du jeu, à mon sens. Excusez-moi. Oui. J'ai vu Texas, Japon, Corée. Ah, ils ont travaillé dur, hein. Il y a du monde, hein. Et ouais. Salut, Quentin Vitalis. Eh oui, Quentin. Quentin Vitalis, oui. À la fin du jeu. Heureusement pour toi, on a des replays. Hein. Ah, ça continue. Et oui, on vient de finir. Ah bah, moi qui voulais au début du jeu péter le pont. Bah voilà. C'est fait. Si tu veux voir la fin, tu pourras aller retourner sur nos replays. C'était Shadow of the Colossus. Très cool jeu, vraiment. Là, ils ont abandonné la nana, quoi. Attends, je dormais. On se dit. Ce que j'allais dire. Ah bah non, en fait, c'est le générique. C'est ce que j'allais dire. Il lui reste un cheval qui boitouille. C'est marrant, Alika fait plus sa blague là. De quoi ? Findus. Bah si, c'est un Findus boiteux quoi. Bah c'est clair qu'elle va pas aller loin avec. Déjà qu'il avançait bizarrement quand il marchait normalement, alors maintenant. Oh, il va là où il y avait son maître. Le jeu est très très cool, Quentin. Moi j'ai bien aimé. Après, on n'a pas aimé pour les mêmes choses. Jean-Mi, il était très sur les. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah. Death Stranding ? Death Stranding. Un bébé à cornes. Ah.
Ah gros, il s'en fout, hein, il se casse. Je crois qu'il a les pattes un peu chelou. Hein. Ah gros, il dit, bon écoutez, moi j'en ai pour 10 ans. J'en ai pour 10 ans à remonter ma truc, alors je vais doucement. Hein. Je suis curieux que le cheval parte, mais il n'y a plus de pont. Il va arriver en haut, il va faire fuck. Il n'y a plus de pont. Il va être deg. Non, mais non, mais non. La tour me fait penser à The Last Guardian aussi. Oui, bah de toute façon, en plus, dans le style et tout. C'est le style visuel, hein, de toute façon, on va pas se cacher. Hein. On sait que le jeu, il a été refait pendant qu'il faisait The Last Guardian. Ah mince, au début du jeu, on aurait pu monter en haut de la tour, on l'a pas fait. C'est vrai. Bah voilà. Pour nous, moi, je dis, bah tiens, il y avait un chemin. Top. Death Stranding, c'est un jeu que j'aimerais bien faire. Au moins le début avec Jean-Mi, après on verra si je le continue de mon côté ou à deux. Mais c'est un jeu que j'aimerais bien faire. Mais j'en ai une petite flopée avant, dont justement Final Fantasy VII que je veux faire avant. Donc ce sera plus tard. Ah, il y a une ère médicinale, pardon, des formations The Witcher. Ou RE3. Ouais. Aussi. Ou Zelda. Soit on aime, soit on déteste. Il paraît. C'est vrai que ça a l'air d'être assez tranché. Moi par contre, j'ai pas honte de dire que je le ferai en facile parce qu'il a l'air difficile. Donc, j'ai pas envie de me prendre... Non, RO3, moi par contre, je joue pas. C'est sûr. Les Resident Evil, je les regarde, je ne les joue pas. J'aime bien qu'ils mettent des petites scènes post-génériques comme ça, c'est chouette. Oh, il y a d'autres animaux. Ah bah, elle va pas mourir de faim, putain, j'ai eu peur. Oh, c'est horrible. Oui, mais tu me dis que Death Stranding, il est pas dur, mais tu fais Resident Evil et tu trouves ça facile. Alors moi, ça m'inquiète. Oh, elle est trop belle, la petite biche. Moi. Ah bah tiens, c'est la bus qui nous suit depuis le départ. T'as même le générique, il est beau quoi. Bambi. Oui, mais sa maman elle est morte, Bambi. Je vais vous mettre un peu de musique, elle est très jolie. Qui la contrôlons. Ah bon? Ça aurait pu. On va survoler le monde. Ah là là. Oui. J'ai entendu Everwild. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer de Everwild, le prochain jeu de Rare. Je crois qu'il a été montré à l'E3 l'année dernière, mais je suis retombée sur une vidéo, ça a l'air extrêmement beau. Alors, il faudrait que je regarde parce que pourtant j'ai regardé tout l'E3 l'année dernière. Et je me souviens pas. Mais je regarderai. Je regarderai ce que c'est Everwild. Ah, Everwild. J'ai bien le prononcer. En tout cas, ce qui est terrible, c'est que... Ah, il est plus sous copyright, c'était jusqu'en 2018. Qu'on peut se dire. Fin, au cas où vous auriez pas compris. C'est la fin, porteur de malédiction. Terrible, hein. Question, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait pu avoir une autre fin si j'empêchais les gars de sortir ? Je pense pas. Passer en mode time attack. Oh bah non, ça va. On se remet en grand ? Ben, la mode nouvelle partie plus et monde miroir sont désormais disponibles. Monde miroir ?
Pas à sa connaissance. Allez, je nous mets en mode grand. Ah, ça repart là. Ok. Oui. Chut, hop là. Il se taille. Mode grand. Je quitte. Yes. Je ferme l'application. Ah, c'était bien. Voilà. 5 heures de live. C'était Shadow of the Colossus, le remaster PS4 avec Alika et moi-même. Jean-Mi. Je vous remercie, Alika. Enfin, je te remercie. j'espère que ça vous a plu. C'était cool. On va dire au revoir à la VOD. En tout cas, nous, on vous a fait un petit débrief là, de notre avis. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous si ça vous a plu dans les commentaires, si vous avez apprécié de suivre ça. Voilà. Et puis, nous, on va continuer. On va faire un prochain Let's Play dont on va parler juste après. Vous saurez ça. En tout cas, ce sera dimanche. Dimanche, là. Ça, non, c'est vrai que je dis ça parce que le temps que je le dise, le dimanche sera largement passé. Le temps que ce soit publié. Donc, oubliez ça. Le temps que vous voyez cette vidéo, le nouveau Let's Play sera déjà certainement en cours. Venez en live, donc, vous le saurez plus tôt. Venez en live, effectivement. C'est bon, bah écoutez, merci. En tout cas, dites-nous en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et dites-nous ce que vous en avez pensé et aussi si vous avez joué aux autres jeux. Soit Ico, soit The Last Guardian, qui sont aussi très très cool. Et en attendant, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Allez, à très bientôt. Profitez bien de la fin de votre journée ou de début de journée, en tout cas du moment où vous regardez cela. Le live, ne bougez pas, nous arrivons dans quelques instants. Tchou! Bye!